souhaite étudier les multiples formes d'expression des enfants lorsqu'ils sont dans des services de soins, et en particulier un service de soins qu'on appelle la réanimation pédiatrique. Donc des enfants qui sont dans des états assez graves, par exemple des grands brûlés, des traumatismes voilà, assez graves. Et on cherche à améliorer avec bien sûr les soignants, les médecins, les infirmiers, à améliorer la compréhension qu'on peut avoir de la manière dont ils s'expriment. Que ce soit de manière verbale, quand ils font usage de la parole, quand ils peuvent encore faire usage de la parole, ou de manière non verbale, par leurs gestes, quelquefois des cris, des pleurs. Avec le consentement bien sûr des parents et aussi de l'enfant quand celui-ci est capable de nous le donner, on va filmer les enfants avant les soins, pendant les soins et après les soins. Une éthologue est chargée de visionner ces vidéos et d'analyser les comportements. Le but de ce premier volet est d'arriver à dresser, à élaborer un critère, une sorte de grille, si vous voulez, nous permettant de mieux interpréter les comportements de ces enfants dans ces situations de soins. Et le deuxième volet, c'est une série d'entretiens menés, alors on appelle ça des entretiens semi-directifs, c'est-à-dire qu'on a tout de même un ensemble de questions qu'on a préparées. Ces entretiens donc se déroulent avec les soignants, avec les parents, quelquefois lorsque c'est possible avec le patient. Et on essaie, si vous voulez, de comparer notamment ces différents points de vue, ces différentes perceptions que ces acteurs du soin ont de l'enfant. Le premier objectif, c'est de mieux entendre la parole de l'enfant ou l'opposition d'un enfant, la douleur de l'enfant, ses souffrances. Et puis le deuxième objectif, c'est aussi d'interroger les capacités de l'enfant. Or, la loi, les différentes lois de bioéthique, la loi sur la fin de vie, par exemple de 2005, demande aux soignants de recueillir, lorsque, je cite la loi, si l'enfant est apte à exprimer, s'il est capable d'exprimer une position, eh bien d'aller recueillir cette parole, cette position.